Daily Vlog numéro 19. Oui, je sais, j'ai une sale tête et une sale voix, mais je viens de me réveiller il y a une vingtaine de minutes. En fait, hier, j'étais tellement fatiguée. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'étais tellement fatiguée que... Comment dire ça? J'arrivais pas à trouver le sommeil. Genre, plus normalement, t'es fatigué, tu dors comme une merde. Mais là, j'arrivais pas à trouver le sommeil. Ça m'a pris la tête. Je me suis endormie. C'était 2h du mat. En plus, il fallait pas que je loupe le réveil. Mais vu que j'ai éteint mon portable complètement, au lieu de le mettre en hors ligne pour le charger, bah, en fait, il a pas sonné à 9h. Je crois que d'un côté, c'est pas plus mal. Parce que j'avais mis enfin mon réveil à 9h. Et du coup, ben, je viens de me réveiller. Je voulais pas me louper parce que tout simplement, je dois faire le montage du daily vlog d'hier, enfin d'aujourd'hui pour vous. Et après, j'ai encore un montage pour demain, parce que je vous avais dit que je ferais une vidéo. Et j'ai encore le daily vlog de aujourd'hui pour demain. Parce que du matin même pour l'après-midi, c'est impossible. Parce que là, il faut que j'aille me mettre. Et demain, ben, je sais pas ce qui m'attend. Parce que je dois aller avec une copine faire des photos. Même si... Grande motivation du jour. Mais je pense que ça va le faire. Donc voilà. Là, je vais... Quelle heure il est? Je vais encore rester au lit 4-5 minutes et après je me réveille, il faut que je fasse le montage absolument. Et il faut que j'aille trop faire pipi parce que depuis hier je me dis non, te lève pas. Non, te lève pas. Bah là il faut que j'aille faire pipi. Bonjour, bonjour, me voilà de retour. En fait là c'est parti pour aller à Gémeaux. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Parce qu'en fait j'ai besoin de chaussures, j'ai rien du tout pour le moment. La mi-saison. Et en fait, juste pour la petite info, là, derrière il y a Tati, il y a tout, Cultura et tout. Voilà pour situer un peu les choses. Donc on va y aller. Parti pour, comment il s'appelle, jour de fête, hein, il me semble. Jour de fête, oui. Ouais, il s'appelle jour de fête. Il s'est implanté il n'y a pas longtemps ici. Et franchement, perso, ça m'arrange parce que parfois pour aller, je sais plus trop où là, pour aller chercher des trucs là, il y a des trucs de Halloween. Trop cool.
parti pour quelques petites courses au Norma. Peut-on me faire des pizzas et on a oublié la moitié. Donc voilà quoi. Et là j'ai faim, faim, faim. Parce qu'en fait, j'ai pas mangé. Parce que j'ai le petit déj tard. Donc voilà. Bon les gars, Noël c'est pas encore, hein, je suis désolée. J'arrive toujours pas à comprendre le calendrier de l'avant. Ok. On est le 3 octobre. Non, 3. Ah non, le 3, oui. Et le temps que tu les manges pour Noël, ça périme ce truc, je sais pas moi. Maman, tu me l'achètes? De quoi? C'est pour Noël. Ma mère qui raconte sa life, comme d'habitude. Et c'est qu'est-ce que je vais faire demain? Quoi? Il y a ton père peut-être c'est... Bon, 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 bon. Ceux-là, ils sont bons. C'est quoi? C'est des moelleux, là. Ouais. J'avais goûté une fois. Tu veux l'emmener? Non, 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 non. Mais, maman, tu m'achètes? Mais attends, regarde les promos. Putain, mais non, on va pas oublier, c'est bon. La maïzena. C'est un grand paquet. Ouais, mais pas beaucoup, mais après c'est trop grand, mais j'ai pas la compagne. C'est pas tout. Je sais, même. Ça donne envie, hein. Oh, ceux-là, ils sont grave trop bons. Non. Maman, c'est Noël, tu m'achètes 3 euros. Comme ça, oui. Voilà, enfin rentré à la maison. Je me suis changée. Première chose que je fais quand je rentre. Et du coup, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté du faux sang en spray pour 4 euros. Du sang genre en gelée, gel apparemment, 3 euros. Et du latex. On va voir ce qu'il donne celui-là parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec celui-là. On verra bien. Et une paire de chaussures. Aussi une paire de chaussures parce que les miennes étaient pires que déglinguées. Donc voilà. Et là, je vais me poser à faire le montage pour le vlog. Oui, le vlog, pas le daily vlog de demain. Et je vous avais dit que j'avais faim. Donc du coup, pas cédé à la tentation. Je suis rentrée, je me suis fait un bol de fromage blanc et à du muesli. Alors vous dites muesli ou muesli? J'ai mis de la noix de coco et de la banane, voilà. Ça me fera le midi et le 4h, donc je vais me mettre au boulot. Hey, alors oui, j'ai pas revlogué parce que je suis rentrée. Je me suis mis au montage, donc j'ai mis le montage du vlog que vous avez vu ce matin. Et là, j'avais commencé mon daily vlog, donc voilà. Et j'ai essayé de tenter de lancer un vlog, mais ça a complètement foiré. Ça commence à me gonfler. Ça m'a énervé plus qu'autre chose. Donc le live sur YouTube, ça a complètement foiré. Et vraiment, ça m'a mis un peu hors de moi. Donc ça m'a un peu énervé. Voilà. Je sais que j'y peux rien. Je sais que c'est pas à cause de moi. Mais voilà, ça m'énerve. Donc je vais vous laisser pour ce soir. Parce que là, c'est pas la grande forme en fait. Et je vous reprendrai un peu plus. Enfin, un peu plus tard. Non, je vous reprendrai demain. Je vais terminer ce que j'ai à faire. Je vais me mettre au lit. Parce que demain, j'ai plein de choses à faire. De toute façon, je vous embarque avec moi. Allez, bisous et à demain.